Donc, on connaissons chaque fois n'a parlé de uh, Marie Immaculée Conception, ça a toujours créé un pile problème. Surtout s'il a euh, qui pas croit que Marie sans péché. Uh, surtout s'il a qui ne pas que Marie capable de vivre sans péché. Parce que dit que la Bible dit clairement que euh, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si tout le monde péché, tout le monde privé de la gloire de Dieu. Nous-mêmes catholiques, jeunes à causer ça pour nous dire que Marie était vive sans péché. Pas vrai? Donc, verset ça, il fait référence à péché personnel. Est-ce que Marie était capable de vivre sans pas pas jamais commettre? péché du tout donc définitivement en pile monde le lit exactement romain chapitre 3 verset 23 you comprenez d'une manière absolue le verset a dit tous ont péché définitivement c'est tout le monde sans euh, exception c'est tout le monde sans exception est ce que jésus-christ est péché Tout moun di, non, Jésus-Christ pat peche. Par konsekant, apotre Paul pat ap pale d'un manyer absolu. Paske genyon eksepsyon la. Paske Jésus-Christ pat peche. Et ti bebe yo ki fet, eske ti bebe yo peche? Non. Ouè gen plus eksepsyon. Et ti moun piti yo ki pokwa gen laj rezon, eske ti moun sayo peche? Non. Definitivman gen an pil eksepsyon. Si gen an pil eksepsyon pou ki sa maman mari pa kapab fè parti de eksepsyon sa yo. Dok nou wè... Romains chapitre 3, verset 23, apôtre Paul te fait référence à Somme 14. Somme 14 euh, qui dit que euh, personne ne fait bien. Pas même yon monde même. Il <laughs> dit que tout le monde est garé, tout le monde perverti. Donc, pas de monde qui fait bien du tout. Donc, définitivement, somme, il pas d'une manière absolue. Parce que nous connaissons que il y a un monde qui fait bien quand même. Pa vrai. Romain chapitre 3, euh, verset 23, pas parler d'une manière absolue. Donc, nous sommes capables de comprendre ça tout quelques euh, versets avant. Euh, par exemple, si nous allons dans Romains chapitre 3, verset 11, on que l'apôtre Paul dit Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Pas de personne chercher cherche bon Dieu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que on croyez que Personne ne peut chercher bon Dieu. Est-ce que l'apôtre Paul voulait dire même lui-même ne peut chercher bon Dieu? Donc, définitivement, nous connaissons l'apôtre Paul pour parler d'une manière absolue pour dire que... Personne en général, pas grand monde même, cap chercher pour gagner une relation avec bon Dieu. Et si on lit un verset avant, Romains chapitre 3, verset 10, soit l'apôtre apôtre Paul continue pour dire, selon ce qu'il est écrit, il, il n'y a point de juste, pas même un seul. <laughs> pas grand juste même, même un grand monde pas juste. C'est Somme 14, exactement référence à Somme 14. Nous connaissons la Bible parler de un pile monde qui est juste. La bib pale, pale de an pil moun ki jist. Dok, definitivman, apotre Paul pat ap pale d'un manyen absolu. Frese pare yo ki di ki tout moun peche definitivman san eksepsyon. Dok, i kompri maman mari, frese pare yo apgan pil problem, apgan pil difikulte pou yo rekosilye Romains chapitre 3, verset 23 avec verset 10 là avec verset 11 là. Si vous interprétez verset 23 d'une manière absolue, pour qui ça ou pas interprétez verset 10 là à verset 11 là d'une manière absolue. Donc, vous voyez que exactement la façon que Monsaïe a la Bible, li gen ewe la den, pa vre? Dok, interpretasyon li pa bon. Dok, definitivman, fok ou chèche konpren euh, nan ki konteks apotre Paul tap pale. E pou konpren nan ki konteks apotre Paul tap pale, nou oblije ale nan verse 9 la. Verse 9 la ki sa apotre Paul di, li di, kwa donk, som nou plus ekselan? Nullman! Kar nou avon deja pouve ke tous, juif e grek, Son tous l'empire du peche. Donk apotre Paul tap pale de juif e grek. Li tap pale ke juif yo peche, grek yo peche. Donk li pa tap pale ke se tout moun an jeneral ki peche. Paske li tap compare juif ansam avèk grek. Si wale nan verse 22, wapwe ke li di ke e juif yo peche. Et grec, tout, ont tous besoin d'un sauveur. Ils ont tous besoin de Jésus-Christ. Donc, ça n'a pas prouvé que Marie a uh, uh, fait péché. Ça n'a pas prouvé que Marie n'est pas immaculée. D'ailleurs, il y a une pièce versée dans la Bible qui dit que Marie a péché. Marie a faite pleine de grâce. Genèse chapitre 3, verset 15 dit que bon Dieu t'a permis inimitié entre Satan avec Damsa et bon Dieu t'a permis inimitié entre descendants d'Amsa avec descendant Satan. Ça veut dire que Damsa ça pas pas jamais Satan, il pas tombé dans le péché. Même Jean-Descendant Damsa, qui c'est Jésus-Christ, pas jamais jamais tombé dans le péché.